J'habite à Limbourg. Limbourg s'est situé à 8 km de l'est de Saint-Vouch et à 40 km au sud de la ville d'Antsirabe. La vie est difficile parce que presque des gens sont pauvres. Ils ne cherchent toujours de quoi manger pas tous les jours. Il y a beaucoup d'élèves ne vont pas à l'école. Il faut qu'il prenne de l'élan. Et à mon avis, il va pas falloir qu'il lâche. Dans le Fouquetin de Limbolo, il y a 6 quartiers. Quartier d'Amboultara, quartier de Limbolo, quartier de Fombana, quartier de Marpibi, et quartier d'Antimolage, et enfin quartier d'Analafouri. Il y a 3 500 du nombre de populations ici. Ici, dans le Fouquetin de Limbolo, on a un collège. Il y a aussi des écoles primaires public 1, 2, 3, 4, 4 écoles primaires. Là, c'est une école à IEPP, mais l'autre, les autres sont des écoles communautaires. On a beaucoup aussi des difficultés comme la route, parce que Limbolo, il n'y a pas de route, il n'y a pas aussi d'électricité.
Moi, j'ai trouvé que la vie ici est géniale. Les gens sont sociables. Le village de Laimboul, je trouve que c'est magnifique. Bonjour. On m'appelle Ant, je suis sage-femme et je travaille ici dans le centre des niveaux de base de Laimboul. On prend en charge d'habitude tous les paquets minimum d'activités, comme par exemple vaccination, CPN, consultation externe, puis des accouchements. Des fois, il y a aussi des traumatismes qu'on peut gérer. Traumatismes pas trop graves, mais un peu légers. On fait à peu près 5 accouchements par mois et environ 60 accouchements par an. Les patients doivent payer les médicaments. Mais le prix de notre médicament, c'est le prix moyen. Quand j'étais petit, je rêvais de travailler à la brousse. Et quand j'ai étudié à l'université d'Antananarivo, quand j'ai fini les 3 années d'études, du coup, j'ai postulé dans 3 différentes centres de santé de base au niveau rural. Donc, on m'a affecté ici. Ici, c'est toute la nature, comment dire, sont incroyables, quoi. C'est bon pour la santé, il n'y a pas des hydrocarbures qu'on doit respirer comme en ville. D'accord. Ici, l'air est pur. Tout est calme en plus. En plus, ici, il n'y a pas de l'insécurité. Le calme total, quoi. Tout le monde est tranquille. Mais maintenant que le borne fontaine est ici, on peut laver le pince tranquillement. Parce que d'habitude, on a besoin à peu près de 3 bidons, 4 bidons pour le nettoyage du CSP. Mais maintenant qu'il y a l'eau qui est à côté de chez nous, qui est effectuée par Bonjour Madagascar, cela est bénéfique pour nous parce qu'on est plus propre qu'avant. Et on est plus. Les villages sont plus contents, quoi. Parce qu'on cherche plus l'eau. À peu près 5 km du CSP. En plus, c'est bien pour le genre de village parce qu'il y a moins de diarrhée, parce qu'il y a de l'eau potable qui est plutôt potable qu'avant. Ici à Laimboul, il y a beaucoup d'épiceries. Là, il y a une épicerie et de l'autre côté, il y a aussi une épicerie. Et c'est quoi que en le Fokutani, il y a une dizaine plus de dizaines d'épiceries. Les épiciers cherchent leur sauce. C'est les sauces qui viennent d'Antirapé. Ils transportent au totem. Oui.
d'autres problèmes comme l'insuffisance des matériels agriculture, comme les motoculteurs par exemple. Mais ici, presque tous les paysans utilisent des outils traditionnels comme l'engade, comme les fossiles, etc. Par conséquent, on a besoin beaucoup de temps pour travailler, mais la production est petite. La plupart des gens ici sont des paysans. Ils cultivent du riz et des pommes de terre et des maïs, etc., etc. Il y a beaucoup d'églises, des églises luthériennes, des églises catholiques, églises adventistes et une église indépendante. Ça fait 12 églises. Là, il y a une église et alors. Là-bas, il y a aussi d'autres églises et à l'est, il y a beaucoup d'églises à la montagne et aussi là aussi. Mais le problème, c'est que
Le village n'est pas encore électrifié. Et la route aussi montante. Et il n'y a pas de moyen de transport. Sauf que la moto et la bicyclette.